pensée, il vaut la peine un petit 5 minutes de réflexion. Donc, il était la ville. Parce qu'il y a une smart city, il y a la ville qui, sans être smart, il est intelligent. Mais qui était la ville même? Et est-ce qu'il y a une smart city vraiment qui est une affaire qui ressemblait à la ville? Ça va être nouveau smart city. Hein? Mais quand vous devez faire vos recherches, vous connaissez dans la ligne, on va faire beaucoup de recherches avant de nous préparer quelque chose, peut-être 5 minutes c'est trop long. Vous trouvez qui, parmi les plus anciens la ville, le boule la terre, il y en a beaucoup que les autres peuvent détruire par la guerre. Là, là vous pensez que dans ce qui Alain fait dire, il y a une vérité. Ça veut dire qu'un capitaliste, il paye la place pour mettre son capital. Tout son colonie, il finit colonisé. Ça tire une nouvelle place. Il finit crase l'Union soviétique et ça l'Est. Il y aura son capital pendant 10, 15, 20 ans à la dent, depuis 1911. Mais là, il vit contre le mirail, il paye la place pour aller à fort, investir dans destruction. Parce qu'il sait bombe qui allait ou bien ça coûte canon qui allait. Mais vous avez remplacé ce stock, vraiment. Et une commande saute. Ça pont qui bombardé, et un tender qui saute. Mais il y a encore une bonne choquée, t'es l'idée. Je dis, moi, combien dans ma vie enchaîne la ville dans les mondes, combien fait si bien destruction pour le moment. Dans la Syrie, il y a Damas et Aleppo. Tous les autres sont en destruction. Hier même, il y a et la ville qui nous connaissait la poussière. Surtout à l'époque, mais Damas aussi. Dans Palestine, Jéricho et Jérusalem. Dans Beyrouth, il y a, dans Liban, il y a Beyrouth, Byblos, Tyré et Sidon. Pour le moment, il y a la guerre là-bas, mais tout l'élément fini là. Et Tapar, Koukré, il y en a. L'Arabie Saoudite coince Liban à partir de la guerre et aventure. Dans l'Iran, il y a un souci réel ou groupe. Il y a un gros problème là-bas pour le moment. Il y a juste une longue histoire, la guerre verbale depuis les États-Unis. Dans l'Égypte, il y a la ville appelée Fayo. Dans le Pérou, il y a un noté Chico. Ça va coller un petit peu en dehors la guerre, mais il ne faut pas coller parce qu'il y a la guerre civile déroulée depuis longtemps dans le Pérou. Dans l'Inde, Benares, ouais, dans Chypre, une place que souvent il y a un problème, là on a cas. Dans la Grèce, il y a des autres qui peuvent aller dans la Grèce pour le moment, et des autres économiques, et qu'il y a aussi ce problème migrants et migrants qui pèsent plus lourd la Grèce. Il y a Athènes et Terre. Il y a dans la Turquie, il y a la ville d'Ilgari, Afghanistan, Bah, l'Irak, qui est à côté d'Orville, et la ville qui est presque détruite, et qu'il y a dans la Chine, il y a M. Ils ont eu très fin. Mais dans la liste d'un qui est la ville, qui continue dans l'État, nous trouvons beaucoup dans un processus d'extinction. Alors, qui était la ville? Normalement, la ville faut être développée. Qui est développée dans les derniers 5000 ans, hein, la plupart. Ça va être qui m'a cité, vous êtes un petit peu plus que 5000. Mais la plupart, la ville, vous n'avez pas plus que 5000 dans la ville. Et vous êtes développée par du monde. Ce qu'on appelle sédentaire commence à planter. Ça veut dire depuis 10 000 bananes de sédentaire, tout le monde commence à planter avec soins animaux. Avant ça, pour 100 000 bananes à 200 000 bananes, l'outil vit dans la nature bien. Mais quand on commence, c'est tout, là, en même temps, on gagne une place qui vient en concentration du monde, comme à l'intérieur. Souvent, les côtes, elles sont beaux. Parce qu'il y a un commerce maritime. Il y a la rivière qui navigue. Il y a des grands routes qui croisent. Quand sa place la croise, il y a un bazar. Mais là, il y a un bâtiment qui range dans la terre qui va agriculteur bizarre. Dans la boule de terre, par exemple. Mais là, on commence à être plus facile pour vendre les gants ou bien souliers si on dans la croisée là. Il y a un bâtiment qui est quatre côtés. Alors pour ça, ce qui est important, c'est la ville, l'y pousser doucement, doucement. Par volonté du monde qui peut mettre du bout. L'y développer, nous, quand il y a
d'un façon organique, ça veut dire comme un pied ou bien comme un animal, ou bien comme un affaire vivant. Il n'y a pas ça faire implanter qu'il peut trouver ex-mortis dans la campagne ici. Alors, pour ça, premier affaire de Smart Cities, c'est, on dirait, ça affaire qui manière implanter dans le pays ici, pour une fée, pour implanter une médecine, une communiqué, un robot, pour créer une affaire tout bête. Il fait un rappel pour faire une comparaison. Vous connaissez des banquises, vous avez la foi dans Maurice, si la foi sur une âme. Je pourrais manquer, vous dire si la foi sur une âme. Et la foi qu'il y était, il y a un rendez-vous dans une classe, dans l'air, dans une zone. Alors, doucement, ça a été développé. Et dimanche, le matin, entre 6h et 9h, vous croyez bloqué en tout le monde, bien, bonnes affaires, aspects, bonnes affaires, l'eau, la foi, c'est balance. Elle va meilleure la foi dans mon fils. Et la foi qui ne crée pas du monde. Mais là, quand on est qui fait dernier gouvernement, elle se recrute pour faire sous pression et des commerçants. Ça va faire balance des fausses qui nous causent que pression sortit. Nous nous interpons de pression. C'est une ferme ça la foi là. Le gouvernement est en coltan, il prend un délit encore la terre, il coltan et la peine. Voilà, en souris dans les chemins gagnés, il fait une maladie mort pendant la peinture blanche, ça fait une seule étale. Dans un soleil comme ça, dans la pluie comme ça. Alors, il y a besoin de la foi. Mais pourquoi Smart City est un peu comme ça, et que ça a la force sur une âme, est un peu comme un trou de la vie. Elle est vivante, il pousse pas du mouvement, et elle est implantée des milliards. Mais ça amène nous pour faire une division dans la qualité Smart City et la déqualité. Alain dit l'autre quatre qualités, mais on peut dire l'autre quatre façons de diviser en déqualité qui fait beaucoup de confusion pour nous-mêmes quand on est réfléchi dans la parole. Vous êtes tiré-moi dans sa confusion. Dans le plus grand Smart City qui me réussit, c'est dans la ville qui est souvent une municipalité assez de gauche socialiste, dont beaucoup les temps. Pour que cause de 100 ans, Amsterdam, Barcelone, Toronto. Ben, ça va la ville là qui tout le monde connaît comme un smart city. Et tout ce qu'il voulait dire, c'est qu'ils ont intégré dans ça va la ville là, cette municipalité, intégré dans les affaires, comment dire, smartphone, plus ou moins smartphone, hein? Ben, ils avaient internet et smartphone dans la vie ordinaire. Ça veut dire dans Barcelone, ben, du monde qui a la plus de 75 ans, tous, si vous avez envie, vous gagnez une espèce de quoi nous appelons une panic button qui est codant de même. N'importe quoi, tu étais, vous avez un petit alarme qui vous capable de gagner un service de la santé gratis. Pour ça, nous, vous avez une technologie. Ça, un exemple. Deuxième exemple, quand on est dans Barcelone, ou dans un petit hôtel, un petit hôtel, et comment je vais aller avec un opéra. Espèce flamenco. On dit, allez, on va connaître ça, nous allons le tu as le coup de l'hôtel, tu dis, mais qui manière on fait ça? Les gars, ils disent qu'ils sont sur le computer, les gars, ils disent, mais qui, combien vous payez ça ou bien ça? Ils montrent où est l'écran, l'eau l'écran, côté de la place. Les gars, on dit, mais nous vous prenons comme ça, ils disent, ouais. Les gars, nous payons et ils imprimons une vidéo. Ça veut dire qu'ils ont un seul système. Mais ça, enfin, sa qualité Smart City, elle a assez une bonne réputation et qu'il y a des bacs qui ont d'autres qualités à faire et qui sont un roulement spéculation la terre. Vous connaissez, elles avaient un gadget et elles avaient un roulement l'eau la terre. Et ça, des affaires-là, tout ont été ensemble, à part dans sa banque qui va souvent citer. Alors, pourquoi ça, tu vois là, c'est une réflexion. Je vous prends une des questions si tu me voulais avec permission Anne-Marie. Donc, différence entre la ville même, vous avez bon public, côté là beaucoup, comment dire, démocratie par exemple, il existait dans la ville avant qu'il y ait un pays. Et qu'en fait, quand la ville existait avant, ça va être ce qu'ils ont appelé pays, nation state, parce que l'État-nation, quand nous cause l'indépendance, non? Mais bon, tu vas l'État-nation, il y a une créature nouveau ça. Et démocratie vit avant
création, ça va l'État là. Ça veut dire la municipalité, tu veux un pays démocratique bien avant dans différents États.